Bonsoir à toutes et à toutes. Avant de commencer, je voudrais vraiment encore rendre grâce à Dieu pour le couple apôtre et puis maman. Franchement, nous sommes reconnaissants. Y a-t-il quelqu'un avec moi qui a envie de dire sa gratitude à Dieu en acclamant le nom du Seigneur? Je vous dis, il y a des gens. Vous savez, ceux qui nous connaissent, Ivan Castanou et moi, donc mon frère jumeau et moi, nous sommes très très exigeants, très exigeants. Et quand je vois un couple comme l'apôtre Massasou et puis maman Lydia, franchement, et que par la grâce de Dieu, on arrive à connecter aussi facilement, it has to be God, et nous sommes vraiment reconnaissants. Je l'ai dit ce matin, nous vous bénissons, vraiment, nous sommes reconnaissants. Et juste pour ceux qui n'étaient pas là hier, vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir la plus belle merveille du monde et vous avez raté quelque chose, alors je voudrais vraiment ce soir non, parce que tout le monde n'était pas là, bébé, tout le monde n'était pas là hier, tu vois, donc ils n'ont pas vu la plus belle merveille. Donc, bébé, viens, tu vois, on peut acclamer le Seigneur pour la plus belle de toutes les femmes. C'est ma femme, c'est mon amante, c'est mon amie, c'est ma copine, c'est ma partenaire, c'est ma concubine, c'est... voilà, elle est tout ce qu'il y a de plus précieux après Dieu, après le Seigneur, c'est cette femme. Après Christ, c'est ma femme, je suis vraiment reconnaissant. Mes amis, 21 ans de vie et 20 ans de mariage. Vous voyez, 20 ans de mariage, franchement, ne sois pas jaloux, ton tour va venir. Dis-moi amen. Voilà, voilà. Nous sommes reconnaissants, vraiment reconnaissants. Vous savez, il y en a qui font semblant. Et puis, il y en a qui vivent depuis 20 ans ce qu'ils pratiquent. C'est possible. C'est possible de marcher avec Christ en étant pur, en étant saint, c'est possible. La grâce de Dieu est disponible. Quelqu'un me dit c'est possible. Je t'aime, mon bébé, va t'asseoir. Je t'aime, mon amour. Vas-y, bébé, je t'aime. Ne sois pas jaloux. Ton tour va venir. Amen. Amen. Le Seigneur, Jésus est monté depuis le jour de l'ascension et il est assis à la droite du Père. Et avant de partir, il nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comme si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur, mon esprit. Il a dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Il a dit encore un peu de temps et vous me verrez. Nous avons dit hier, 10 jours plus tard, celui qu'on appelle l'autre personne de la Trinité, enfin on l'appelle la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, il est venu ce jour-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est plus jamais reparti. Il n'a jamais quitté la surface de la terre. Dis avec moi le Saint-Esprit. Oh, dis avec moi le Saint-Esprit. Le Père est présent ce soir. Par son esprit. Le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous ce soir. Par son esprit. Le Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour accueillir avec moi l'Esprit de Dieu vivant? Y a-t-il quelqu'un qui a envie de faire monter des acclamations? Y a-t-il quelqu'un qui a envie, non pas d'applaudir, non, il n'est pas écrit applaudir le Seigneur. Ça, ce n'est pas écrit. Il a dit acclamer le Seigneur. C'est-à-dire pousser les flammes en l'honneur de l'Éternel. Juste un chant et nous allons entrer dans la parole. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Car il est
pour faire monter dans ce lieu un parfum. Depuis Kigali, la capitale du Rwanda, y a-t-il quelqu'un pour faire monter un parfum d'adoration? De bonne odeur vers le trône de l'agneau, il est souverain car il est glorieux, il est très digne de recevoir nos louanges, l'agneau de Dieu. Sur toutes les provinces, sur toutes les villes et les villages. Car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau de Dieu, il est souverain. Voilà pourquoi nous élevons. Cela. Il a dit lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, alors nous élevons, nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau de Dieu, c'est par lui que nous sommes assemblés. Respire dans ce lieu, acclame l'agneau de Dieu, il est souverain. J'ai dit acclamons l'agneau est souverain. Que ceux qui l'aiment l'acclament l'agneau de Dieu, il est souverain. Majesté. Dans ce genre de rassemblement, je sais,
Tout le monde n'a pas le cœur, c'est vrai, disposé à aimer l'agneau. Voilà pourquoi je n'oblige pas, mais je demande humblement à ceux qui l'aiment de l'acclamer. L'agneau de Dieu, que ceux qui l'aiment l'acclament, que ceux qui l'aiment l'adorent, que ceux qui l'aiment l'adorent. L'agneau de Dieu, nous t'aimons notre Père, nous t'aimons agneau de Dieu. Nous t'aimons, Esprit du Dieu vivant, nous t'adorons et nous t'embrassons, nous te chérissons. C'est une histoire d'amour entre toi et moi. Agneau de Dieu, reçois l'honneur, la louange et la gloire, l'adoration, la sagesse, la splendeur, l'éclat, la majesté. Reçois la douce louange, reçois l'adoration, reçois l'expression de notre gratitude. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Esprit de Jésus. Nous t'aimons, tendre Papa. Nous t'aimons. Ce matin, plutôt cet après-midi, cher papa, nous sommes assemblés ici en ton nom. C'est toi qui as dit que lorsque deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Je n'ai pas honte de proclamer publiquement ma passion pour toi, mon obsession pour toi. Je suis épris de toi, mon père et mon trésor. Mon amour est ma richesse, ma tendresse et ma gloire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je t'aime, ô Papa, tendre Père. Cet après-midi, je m'humilie humblement, Papa. Je reconnais mon incapacité à parler de toi. Je reconnais ma misère, ma petitesse et mon ridicule, mais je me soumets à toi. Cher Saint-Esprit, Esprit de notre Père, Esprit de Jésus, tu n'es pas venu pour glorifier un pasteur, tu es venu pour glorifier Jésus. Alors ce soir, ne mets pas les projecteurs sur moi, ni sur aucun des orateurs. Cher Saint-Esprit, mets les projecteurs sur Jésus de Nazareth. À toi la louange, Seigneur Jésus. À toi la louange, cher Père. À toi la louange, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous sommes reconnaissants. Dans le nom de Jésus le Christ, ouvre notre entendement alors que nous te soumettons l'atmosphère dans le nom de Jésus-Christ. Règne, lance ta parole dans nos cœurs comme un javelot. Relève ce qui est tombé. Redresse ce qui est courbé. Restaure dans le centre de la restauration ce soir. Dans le nom de Jésus, le plus beau de tous les noms, le premier d'entre les mots, le plus beau de tous les fils de l'homme, celui que nos cœurs aiment, le berger de nos âmes, le protecteur de nos vies, le sauveur du Rwanda, Jésus de Nazareth, le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer en disant Amen, Amen et Amen? Là encore, je ne demande pas à tout le monde de l'acclamer. Je dis que ceux qui l'aiment l'acclament. Est-ce qu'on peut acclamer avec nous aussi le Seigneur pour les chantres merveilleux qui sont là et qui font un très bon travail?
conduit par le Saint-Esprit. Hier, le Seigneur nous a parlé de la personne la plus importante sur la terre entière. Le Seigneur nous a parlé de l'arrivée sur la terre du Saint-Esprit, la présence de Dieu, ou encore la gloire de Dieu, ou encore la présence glorieuse de Dieu. Dieu est venu habiter sur la terre dans chaque personne qui a donné sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. La nouvelle création n'est pas une personne religieuse. La nouvelle création, celui qu'on appelle nouvelle création, c'est celui qui a reçu Christ dans sa vie. Celui qui a reçu l'Esprit de Christ. Hier, nous avons vu ensemble que le Saint-Esprit, quelqu'un me dit le Saint-Esprit, je ne vous ai pas entendu. Quelqu'un me dit le Saint-Esprit. Tu sais, même dans la manière parfois de parler, on reconnaît, on perçoit. Il y a deux manières de dire quelque chose, la bouche ou le cœur. Quand on dit le Saint-Esprit, ne dis pas avec la bouche. Dis avec le cœur. Dis-moi le Saint-Esprit. Quand tu dis avec le cœur, c'est un désir, c'est un soupir. Nous avons dit que le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, l'homme est un esprit. Il possède une âme. Et il habite dans un corps. L'apôtre Paul nous a révélé dans Colossiens chapitre 1 qu'il y avait un mystère qui était caché en Dieu lui-même. Un mystère, un plan secret que Dieu allait manifester sur la terre. Et ce plan avait été annoncé, mais personne ne comprenait comment le plan allait s'exécuter. 600 ans avant Jésus, 700 ans avant Jésus, personne ne savait comment le plan allait être mis en opération. Et Paul, par le Saint-Esprit, a révélé que le mystère, le plan secret que Dieu avait, que le Père avait, caché en lui-même, il n'était pas connu par les anges. Ce plan secret, ça serait que Dieu viendrait habiter dans son temple, c'est-à-dire l'être humain, au travers de son esprit. Nous avons dit hier que le don le plus précieux, que le cadeau le plus précieux que Dieu fait à un homme, un être humain, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les enfants, c'est le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et ce Saint-Esprit, c'est une personne divine. Jésus a introduit sur la terre une personnalité, une personne invisible mais réelle. On l'appelle le Saint-Esprit. Il est venu habiter dans mon esprit, dans mon esprit. Tu ne vois même pas ton esprit et pourtant tu es un esprit. Il est venu habiter en moi. Il est venu habiter en toi. Dis-moi amen. Amen. Et dans la lettre que Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 13, verset 13, Paul prononce une bénédiction. Oh, combien profonde! Il nous dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu, Rwimana, le Père, Data, et la communion no kubana, du Saint-Esprit no soit wera, avec bibane, les pasteurs, nabashumba, les leaders. Nabandi, c'est ce qui est écrit. Inibyo byanditse, non, que la grâce ahugaravugango de Jésus, ubuntu, que la communion, ngo, plutôt l'amour de Père wera, et la communion du Saint-Esprit rukundo soit avec Rwimana, vous nande, tous.
Dis avec moi, il parlait de moi. Yabwiragaje, yavugagaje. Il répète, il parlait de moi. Vuga ngo yavugagaje. Ce passage est extrêmement profond. Uyu murongo ni igitangaza. De façon quotidienne. Mu buzima bwa buri munsi. Un croyant. Kumu Kristo doit marcher agomba de manière consciente. Kugenda de manière zineza, de manière consciente. Agomba kugenda zineza. Dans la grâce. Mu buntu agomba kugendera mu buntu. Du Seigneur Jésus. Bw'umwami Yesu. Dans l'amour. Mu rukundo. Du Père. Rwa Data. Et dans la communion. Ndetse no mu busabane. N'Umwuka Wera. Le Père. Data. Le Fils. Mwana. Et le Saint-Esprit. N'Umwuka Wera. Dis-moi amen. Mvuga ngo amen. Et la communion. Mu busabane. Dis avec moi la communion. Mvuga ngo busabane. La communion ubusabane a toujours été rwahoze le désir ari icyifuzo du cœur de Dieu. C'est-à-dire Imana. Que Dieu nukuwa Imana a toujours yahoze voulu être en communion avec ses enfants, avec son peuple, hamwe avec sa création. Ndetse toute église, tout disciple doit désirer vivre une vie de communion indispensable avec Dieu. N'Imana. Or, Nyamara, la communion ubusabane avec le Père na data, qui est dans les cieux, uri mwijuru, avec Jésus na Yesu, qui est assis à la droite du Père ya, dans les cieux, data, mwijuru, la communion ubusabane avec le Père na data, et avec Jésus le Christ Christo, ne peut se faire ntabwo bwashoboka au travers de celui qui est venu habiter en moi, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi amen. Amen. Et le mot communion ubusabane vient du mot grec koinonia. Biva mu ijambo koinonia. Et il veut dire trois choses. Risobanura ibintu bitatu. Il veut dire communion. Bivuga ubusabane. Communication. Kuganira. Ubucuti. Amitié intime. Ubucuti bwimbitse. Ou encore intimité. Cyangwa se gusabana. Et il veut aussi dire partenariat. Ariko bishobora no kuvuga imikoranire. Donc en fait, ngo, quand le Saint-Esprit dit igihe par la bouche de Paul ngo, akabwira Paulo ngo, que la communion du Saint-Esprit ubusabane soit avec vous tous. Bugumane namwe mwese. Il est en train de dire mon frère, ma soeur, que tu dois marcher dans une communion régulière, indispensable avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tu dois être en communication avec le Saint-Esprit, en communication avec le Saint-Esprit, que toi et le Saint-Esprit vous devez communiquer régulièrement, que toi et le Saint-Esprit vous devez des amis intimes, que toi et le Saint-Esprit vous devez des partenaires, des associés. Dis-moi amen. Amen. Et quand tu comprends ça, alors tu comprends un secret. C'est que Dieu s'est révélé hein, comme étant le Père. Dieu s'est révélé ensuite comme étant l'époux. Comme étant l'époux. Et Dieu s'est ensuite révélé comme étant ton meilleur ami. Dis-moi amen. Les gens passent le temps aujourd'hui à chercher des amis sur Facebook, à la télévision. Il y a un ami qui ne déçoit jamais. Il y a un ami qui est le meilleur des amis. Il y a un partenaire, il y a un associé dans le ministère, dans l'église, qui est le meilleur de tous les associés. En lui, il n'y a pas d'homme de variation. Lui ne te trahit jamais. Dis-moi amen. Dis-moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dieu nous révèle que le Saint-Esprit est venu pour être notre ami intime. Dieu, mon Père, Data, Dieu, Imana, mon époux, Mufasha wanjye, Dieu, mon Imana, ami, inshuti yanjye. Chaque personne ici, umuntu wese hano, toutes les personnes ici, abantu bose bara, pour avoir une vie équilibrée, kugira ngo babeho ubuzima bwiza, nous devons avoir bagomba kugira le même genre de relation. Ubwo busabane tout le monde, tout le monde, a besoin d'avoir un père.
bakeneye kugira umubyeyi umupapa. Tout le monde a besoin d'avoir un père. Umuntu wese akeneye kugira umubyeyi umupapa cyangwa. Et tout le monde aussi aspire à avoir un conjoint. Ashaka kugira uwo babana uwo bashaka. Umugore cyangwa se umugabo. Mais tout le monde aspire aussi à avoir un meilleur ami. Ariko umuntu wese yifuza no kugira inshuti magara. Un meilleur ami. Inshuti magara. Il y a des choses que tu partages. Hari ibintu usangira. Avec ton père. Naso. Il y a des choses que tu partages. Avec ton époux. Il y a des choses qu'on partage. Avec le meilleur ami. On ne partage pas forcément avec l'époux. On ne partage pas forcément avec le père. Même si on aime le père. Ta première relation. Si tu es marié. Ou si tu n'es pas encore marié. Excusez-moi de le dire. Mais la première relation sexuelle. On ne parle pas avec papa. Non. Papa n'a pas envie de savoir ça. Papa n'est pas intéressé à savoir ce que tu as fait lors de ton premier rapport. Papa n'a pas envie de savoir. Par contre, ton ami intime, tu te dis, Nadège, le gars là, ma chérie, il est bon. Tu vas lui dire des secrets que tu ne diras pas à papa. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit? La particularité du Saint-Esprit, c'est que cet ami-là, il ne t'abandonne jamais. Tu as déjà peut-être des amis, c'est vrai. Mais la particularité de cet ami qu'on appelle le Saint-Esprit, il t'a créé. Il t'a créé. Il est ton créateur. Dans Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a formé. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. La particularité de cet ami, dans Jérémie 31, verset 3, il te dit, je t'aime. D'un amour éternel. Je t'aime d'un amour sans fin. Je t'aime d'un amour immense. Qui dit ça? Le Saint-Esprit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dans la vie, dans l'église, beaucoup de gens souffrent à cause des relations brisées, à cause des relations froissées, des relations perdues. Mais il y a un ami, il y a un compagnon qui connaît tes alarmes. Mon seul ami, c'est l'ami céleste. Il est le meilleur de tous les amis. Quand je ne sais pas à qui parler, au lieu d'appeler toute la terre, J'ai un problème. Ça ne va pas. Va dans sa présence. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Il y a abondance de paix. Il y a abondance de grâce. Frère, le message de ce soir est simple. Parfois, nous souffrons pour rien. Nous cherchons de l'aide parfois pour rien. Pasteur, apôtre, maman, papa, aidez-moi. Va dans la présence. Ferme la porte de ta chambre, va dans la présence. Va dans sa présence. Oh, dis-moi amen. Il ne te décevra jamais. Et lui, au moins, il est discret. Il ne prend pas des histoires pour aller raconter à tout le monde. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh, amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Mon ami intime. Quelqu'un me dit amen. Mais lorsque Paul dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, Paul est en train de dire que le Saint-Esprit venu du ciel qui est venu habiter en toi est ton partenaire, ton associé. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 9, la parole dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. De quel Dieu il parle? Du Saint-Esprit, venu du ciel, qui est venu habiter en moi. Il est ton partenaire.
Il est ton associé. Ton partenaire, ton associé. Veux-tu te marier? Veux-tu avoir le bon conjoint? Veux-tu avoir les bons amis? Veux-tu avoir les bons partenaires? Veux-tu avoir les bonnes stratégies? Veux-tu avoir les bonnes connexions? Arrête de chercher les hommes. Le secours de l'homme n'est rien. Cherche le Saint-Esprit. Lui, il connaît les connexions. Il sait avec qui il peut te connecter pour que ta vie soit transformée. Oh, dis-moi amen. Le Saint-Esprit. Dans Marc chapitre 16, verset 20, il est écrit, ils s'en allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. Quel Seigneur? Le Saint-Esprit. Celui qui confirme la parole. Le Saint-Esprit confirme la parole par les miracles, par les signes, par les prodiges. Dis-moi amen. Et celui qui fait les miracles, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Dis-moi un bon amen. Mais parfois on croit que c'est l'homme de Dieu qui va faire. Non, l'homme de Dieu ne fait pas la différence. C'est l'Esprit de Jésus qui guérit. C'est lui qui libère. C'est lui qui restaure. C'est lui qui confirme la parole. Dis avec moi amen. Il est mon associé. Vous savez, moi je gère, par la grâce de Dieu, une grande entreprise. À vos avis, c'est l'équivalent de Roura, je crois, l'équivalent de Roura. L'agence de régulation des postes et des, je sais pas, des communications électroniques. Il y a 5 ans, quand j'ai été nommé par le président de la République, la société, l'agence de régulation n'était rien. Elle n'avait rien, elle ne connaissait rien. Quand on m'a nommé, j'ai dit aux gens, dans 5 ans, nous allons faire la première entreprise du Congo. En 5 ans, ils m'ont dit, ok chef, ok DG. Et il y a quelques temps, ils sont venus me voir. Et entre temps, je leur avais dit, nous allons faire aussi le plus bel immeuble de tout le Congo. On n'avait pas d'argent. On avait zéro, rien. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. 5 ans plus tard. 5 ans plus tard. Ce que j'avais dit, c'est accompli. Comment? Goûter. Le Saint-Esprit. Mukawera. Le partenaire. Mukawera. Dans les affaires. Le partenaire. Mukawera. Dans le mariage. Il t'apprend à être un homme fidèle. Un époux fidèle, un époux attaché, un époux passionné, un époux consacré, une femme vertueuse, une femme excellente, une femme de valeur, une femme d'impact. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Et quelqu'un me dit amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le partenaire, c'est lui le partenaire. Beaucoup de frères et de sœurs souffrent parce que vous ignorez la personne la plus importante sur la terre. La personne la plus importante sur la terre, c'est lui. Jésus a dit, cherchez d'abord pas les hommes, pas les femmes, pas les vêtements, pas l'argent, pas les grandes maisons. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, et tout le reste va vous suivre. Et quand il parlait du royaume, il parlait de celui qui incarne le royaume, celui par qui on entre dans le royaume. Le Père est dans les cieux, Jésus est dans le ciel. Celui qui est présent sur la terre, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Jésus. C'est lui qui incarne le royaume, c'est lui qui manifeste le royaume. Il est Dieu habitant en moi. Il est le Père en moi. Voilà pourquoi des fois, quand tu parles du Saint-Esprit, tu peux dire mon Père. Parce que c'est par lui que tu peux dire mon Père. C'est par lui que tu peux dire mon Seigneur. Il est le Seigneur. Et quand tu dis Père, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. C'est la même chose. Pourquoi? Le Père est en toi. Par le Saint-Esprit.
Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Si tu es avec moi, lève la main. Si quelqu'un me suit. Quand on parle de partenariat ou d'association, on parle de partenariat dans le ministère. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a fait de Jésus de Nazareth le plus redoutable des gagneurs d'âme de sa génération. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisait le bien, gagnait les âmes. Comment il faisait? Le Saint-Esprit. C'est lui qui est en charge de l'évangélisation sur toute la surface de la terre. Personne ne peut dire je vais évangéliser sans être connecté au Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Même lorsque Paul, qui était un grand gagneur d'âmes, voulait aller en mission, gagner des âmes, il devait dépendre du patron, du boss, du Seigneur, le Saint-Esprit. Quand on est zélé, c'est bien, mais il faut attendre les instructions du Saint-Esprit. Quand Jésus voulait prendre la Samarie, il ne peut pas aller comme ça. Le Saint-Esprit sait qui est prêt à recevoir Jésus, qui n'est pas prêt à recevoir Jésus. Alors il dit à Jésus, pour gagner la Samarie, il faut une femme. Et Jésus est mis là. Jésus attend là. Chasse les apôtres. Jésus est resté là. Il attendait une femme. Pourquoi il attendait une femme? Le Saint-Esprit voulait gagner la Samarie. Il est le meilleur de tous les partenaires. Il est le meilleur de tous les stratèges. C'est lui qui sait comment gagner le Rwanda à Jésus. Beaucoup de campagnes d'évangélisation ont échoué parce qu'elles ont été faites sans le Saint-Esprit. Elles ont été faites avec l'homme. Amen. On ne peut pas conquérir le Rwanda sans la révélation, sans les stratégies données par le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit amen. Il est le partenaire, il est l'associé dont tu as besoin. Et la raison pour laquelle les églises rament, les frères rament, les sœurs rament, souffrent, c'est parce qu'ils négligent celui que le Père leur a donné, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Pasteur, comment on fait? Il est de ta responsabilité, chacun d'entre nous, de développer la communion avec le Saint-Esprit. Qui commence la relation? C'est toi. La Bible dit, Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Approchez-vous. Il lui s'approche. Quelqu'un me dit amen. Qui fait le premier pas dans la recherche de l'intimité avec Dieu? C'est toi. Ailleurs, il dit dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Approche du trône. Qui fait le premier pas? C'est moi. Le Saint-Esprit est une personnalité invisible, mais il est réel. Il y a trois niveaux de communion avec Dieu. Le premier niveau commence d'abord par la reconnaissance et l'honneur. Dis avec moi la reconnaissance. Dis avec moi la reconnaissance et l'honneur. La reconnaissance. Mon frère, le message de ce matin et ce soir est long, je ne le finirai pas, je sais. Mais je voulais juste insister sur l'essentiel.
La reconnaissance. La communion avec le Saint-Esprit. Dieu qui est venu habiter en moi. Le Saint-Esprit. Elle commence par le fait de reconnaître. Prendre conscience qu'il est une personne. Il a des émotions. Il a une volonté. Il est l'esprit de Jésus en moi. La reconnaissance est la première des choses que le Saint-Esprit attend de toi. Il enseigne, il parle, il peut être attristé, il peut être aussi joyeux. Un jour, la Bible dit que Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Est-ce que tu sais que des fois, quand tu es en train d'adorer, ou de louer, tu es en train de chanter, tu es en train de prêcher, tu dis yes, oh God, oh man, yeah. Souvent c'est par le Saint-Esprit que tu le fais. La Bible dit Jésus, il exultait de joie, yes, c'était l'Esprit de Dieu qui manifestait les émotions. Oh, dis-moi amen. Même quand tu adores, quand tu chantes, toi seul est dit. Et toi, quand tu commences à chanter, à adorer, tu es en train d'adorer par le Saint-Esprit. Et là, tu es transporté dans sa présence. Tu t'occupes de ton voisin, de ta voisine, tu t'en moques, tout ce que tu veux. C'est lui. Toi seul. Dis avec moi le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Es-tu une personne. Église, nous avons échoué. Parce que nous pensions que c'était un feu, un vent, de l'air, de l'eau. Non, ça, ce sont les manifestations de la personne. Personne ne voit le vent. Mais on sent les effets du vent. C'est une personne. Premièrement, pour être en communion avec Dieu, sois conscient que le Saint-Esprit que tu chantes est une personne qui est venue habiter en toi. Une personne réelle et puissante, redoutable, mais sensible. Il est sensible. Et sa première caractéristique, c'est qu'il est saint. Il déteste le péché. Il est le péché. Le Saint-Esprit n'est pas le sauveur. Jésus est le sauveur. Mais le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Jésus est le sauveur. Et quand il vient habiter en toi, il n'aime pas le péché. Il déteste le péché. Impureté. Débauche, adultère, mensonge, haine, amertume, il déteste le péché. Tu l'attristes. Le Saint-Esprit. Tout commence par la reconnaissance. Est-ce que tu es conscient? Dites-moi. Qui croit que le Saint-Esprit habite en lui? Qui croit que le Saint-Esprit habite en lui? Maintenant, je pose une autre question. Ne répondez pas trop vite. Qui est conscient? Qui est conscient que le Saint-Esprit habite en lui? Il y a une différence entre connaître et être conscient. Dans le monde spirituel, quand quelqu'un est conscient, ça se voit. Quand quelqu'un n'est pas conscient, ça se voit aussi. 80% au moins des chrétiens, des croyants ne sont pas conscients. Parce que quand on est conscient, il y a des conséquences. Jésus était conscient que Christ habitait en lui, que l'Esprit de Christ était en lui. Il était amour. Il pardonnait. Même les plus gros ennemis pardonnaient. Il aimait tout le monde. Il manifestait la bonté. Il aimait les méchants. Il aimait les bons.
Il allait de lieu en lieu. Et il périssait sans faire d'effort. Et il était humble. Il n'était pas gonflé. Il n'était pas arrogant. Il n'était pas hautain. Il n'était pas je. Il glorifiait le Père. Il parlait du Père. Il rendait gloire au Père. Et le Saint-Esprit qui est venu habiter en moi ne rend pas gloire à Castanou. Il rend gloire à Jésus. Voilà pourquoi c'est beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont commencé avec le Saint-Esprit et ils ont arrêté. Pourquoi? Le Saint-Esprit n'agit plus. Pourquoi? Parce que trop d'orgueil, trop d'arrogance. Dis avec moi le Saint-Esprit. C'est une personne réelle. Et Paul insistait toujours, il nous interpellait sur cette question de la communion du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas? Dans le grec c'est eido, c'est-à-dire n'êtes-vous pas, n'êtes-vous pas conscient que vous êtes le temple, le sanctuaire, la maison de Dieu. C'est pas à Jérusalem, c'est pas en Samarie, c'est pas à Lourdes, c'est pas à Paris, c'est moi. Quand je marche, Dieu marche. Quand je vais au cimetière, Dieu va au cimetière. Et la terreur de Dieu doit se manifester devant mes ennemis. Partout où je suis, Dieu est. Ne savez-vous pas? N'êtes-vous pas conscient que quand tu vas faire la masturbation, Dieu est en toi? Quand tu vas chez la femme étrangère ou chez l'homme étranger, Dieu est en toi. Et toi tu pars, Dieu est en toi. Et tu t'allonges, Dieu est en toi. Il faut te réveiller, frère. Tu vas, tu pêches, tu emmènes Dieu en toi. Ne savez-vous pas conscient que tu es le palais de Dieu? Dieu a une maison. Et la maison c'est toi. Et la maison c'est moi. Et ce Dieu est saint. Il est pur. Il est juste. Il est droit. Il est bon. Tu ne peux pas. Tu refuses de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Mais Dieu en toi, il pardonne. Toi aussi, pardonne. Tu n'as pas le choix. C'est la nature de Dieu de pardonner. Oh, amen. N'êtes-vous pas conscient? C'est le sanctuaire, le palais. À Kigali, il y a un palais présidentiel. Mais j'ai une bonne nouvelle. À Kigali, il y a mieux que le palais présidentiel. C'est toi, le palais de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Il est le créateur du Rwanda, de l'Afrique, de l'univers, de l'immensité de l'univers. Et il est venu habiter en toi, frère. Le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Ne savez-vous pas? C'est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Dieu habite en vous par son Esprit. Et juste après, il dit, le temple de Dieu est saint. 1 Corinthiens 6, 19. N'êtes-vous pas conscient que votre corps est le temple, la maison, le palais, le quartier général du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu du Père? Dis-moi amen. Dis avec moi, je suis la maison de Dieu. Je suis le quartier général de Dieu. Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Mes amis, si on vous dit que le roi du Maroc, par exemple, le roi du Maroc, il vient à Kigali, ou la reine d'Angleterre, on vous dit que la reine d'Angleterre vient à Kigali. Elle vient habiter dans ta maison. Mon frère, ma soeur,
Même si ta maison là, c'est une petite case, une petite maison. Si on te dit que la reine d'Angleterre a choisi de venir habiter dans ta maison, dès qu'elle vient habiter là, avant qu'elle vienne habiter, le protocole de la reine va transformer ta maison. Protocole y'umwami kazi izazihindura inzu yawe. S'il n'y a pas à manger, niba nta biryo bihari, ils vont acheter à manger. Bazaza nibyo. S'il n'y a pas de voiture, niba nta modoka ihari, il y aura une voiture dans la maison. Hazahita haza imodoka. S'il n'y a pas de salon, niba nta salon, il y aura un salon dans la maison. Hazaza salon. Si la maison était moche, niba inzu yari mbi, on va embellir la maison. Izagirwa. On va refaire la décoration. Bazongera bashyira. On va refaire le mur. Bazongera bashyira. Pourquoi? Amadirisha kuki? La reine arrive. Sa majesté araje, la reine est là. Dis-moi amen. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, sa majesté le roi vient habiter en toi. Ta vie devient belle, elle devient harmonieuse, elle devient pure, elle devient sainte, elle devient excellente. Tu ne peux pas être médiocre, non. Quand tu es conscient, dis-moi Seigneur, rends-moi conscient. Dis Seigneur, rends-moi conscient. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Tout est dans la conscience. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, le premier niveau, c'est d'abord la prise de conscience. Et la grande majorité des chrétiens, nous ne sommes pas conscients. D'ailleurs, il y en a qui m'ont dit, mais Dieu vient habiter en moi. Mais comment ça se fait? À quoi je ressemble? Je veux te dire, la Bible dit, dans Jean 3, verset 19, la lumière, c'est Jésus qui parle, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. La lumière, dis avec moi la lumière. Dis avec moi la lumière. On parle de Jésus, elle est venue où? Dans le monde. Dans Jean 9, verset 5, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis là, qui a parlé? Christ a parlé. Il a dit, je suis là. Matthieu 5, verset 14. Jésus s'arrête. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes. Il parle à ceux qui ont cru. Il parle à toi. Il parle à moi. Il dit, vous êtes là. Quelqu'un me dit amen. Que votre lumière luise. Pourquoi? Vous êtes des lumières. Priez au Rwanda. Priez dans le monde. Priez. Est-ce qu'on peut continuer? Un jour, dans Acte 9, verset 3, Paul rencontre le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, pendant que Paul était en chemin pour Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout à coup, Paul a vu quoi? Une lumière. Et au centre de la lumière, il entend une voix. Je suis Jésus. Mais avant de dire je suis Jésus, Paul a vu la lumière. Dans 1 Jean 1, verset 5, il nous dit la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Dieu est lumière. La version grecque veut dire aussi, Dieu signifie lumière. Dans Éphésiens 5, verset 8, il nous dit, par votre union avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes devenus des êtres de lumière. Alors toi, tu m'as demandé, mais pasteur, Dieu habite en moi, moi je suis petit, je suis grand.
Dieu, dans son esprit, est venu habiter en moi. Il est venu habiter en toi. À quoi tu ressembles? Donnez-moi là l'image. C'est juste pour te montrer à quoi tu ressembles réellement. Tu es lumière. Quelqu'un acclame le nom du Seigneur. Regarde la photo. Regarde à quoi tu ressembles. Mais dis-moi amen, oh! Mais c'est à ça que tu ressembles. Dans le monde de l'esprit, c'est à ça que tu ressembles. Tu es un être lumineux. Christ habite en toi. Mais tu n'es pas conscient. Et le Seigneur ce matin me disait, la plus grande tragédie dans l'église aujourd'hui, et son peuple aujourd'hui, le sang a été versé pour que la gloire revienne sur la terre, pour que la gloire revienne dans le temple. Et la gloire, oui, elle est venue dans le temple. La présence glorieuse de Dieu est revenue dans son temple. Mais le temple n'est pas conscient. Le temple est ignorant. Mon peuple est détruit par son manque de connaissance ou encore par son manque de conscience. Le peuple de Dieu n'est pas conscient que Dieu est venu habiter. Quelqu'un me suit qui lève la main. Dis, Seigneur, rends-moi conscient. La reconnaissance ou encore la prise de conscience que Dieu est lumière, que cette personne divine qu'on appelle l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi. La communion du Saint-Esprit commence d'abord par ça. Juste quand maintenant je suis conscient que Dieu est venu habiter en moi, la prochaine étape, l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? S'il est Dieu, où est l'honneur que tu lui rends? On ne peut pas honorer quelqu'un si on ne reconnaît pas sa valeur, si on ne reconnaît pas ses capacités, si on ne reconnaît pas ses forces. Est-ce que tu reconnais? Honore-le. Est-ce que tu sais l'honorer? Le matin, tu te lèves. Est-ce que tu es conscient que Dieu est là? Si tu es conscient que Dieu est là, dès que tu te lèves, ne quitte jamais la maison le matin sans l'honorer. Moi personnellement, tous les matins, quand je me lève, même quand je rentre le soir, réflexe numéro un, j'honore pour honorer Dieu. Dans l'ancien temps comme dans le nouveau temps, on se prosterne. Pour l'adorer. Première étape. Saint-Esprit, je t'adore. Je te prosterne. On ne se prosterne pas en mettant la main pour éviter que le front ne prennent la poussière. Non. Prosterne, c'est proscune. Le front doit toucher le sol. Je te reconnais. Cher Saint-Esprit. Esprit de notre Père. Esprit de Jésus, je te célèbre ce matin. Je te remercie pour ta présence. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de dormir et de me réveiller. Je t'aime, je te chie. Seigneur Jésus, je te reconnais ce soir. Je te célèbre, je te chéris. Esprit du Dieu vivant, tu es une personne à part entière. Je ne te vois pas, mais Jésus t'a attendu. Alors ce matin, Père, je t'attends, Seigneur. Je te célèbre, je t'adore, je t'exalte. Mon ami, mon paraclet, mon compagnon, mon bien-aimé, mon tant aimé. Tu vois, ne quitte pas la chambre sans être prosterné. Où est l'honneur qui m'est dû? Honore
Parce que Dieu est en toi. Il est muri wowe. Dieu Imana est avec toi. Il est kumwe nawe. Le Père Data est là où tu es. Ari ahuri. Par son esprit. Binyuze mu mwuka we. Jésus est là où tu es. Yesu ari ahuri. Par son esprit. Binyuze mu mwuka we. Il est l'esprit de Jésus. Mu mwuka wa Yesu. Je t'aime. Ndagukunda. Je te célèbre. Ndagukunda. Cher Saint-Esprit. Ndagukorera mwuka we. Je t'honore. Ndaguha icyubahiro. Je te reconnais. Ndakwemera. Je t'exalte. J'ai besoin de toi. Je t'appartiens. Tu es l'esprit de la grâce. Merci pour la grâce que tu m'accordes. Cher papa, Père en moi, Père dans les cieux, tu es mon Père. Je suis papa. Oh papa, oh papa, Poko Shara Baba Sandere Mosa. Ah, ma que soto rabayante de bosa. Yoroba bosa katayante de bobobosa. Rabayante de bobosa. Aya. Aya. Mataya rabashi. Yoroba bosa. Eh, papa. Oh, God, we thank you, papa. For the love of God, for the grace of Jesus. Je te reconnais, cher Saint-Esprit. C'est toi qui me révèles le Père, car tu es le Père. Merci. Merci de m'aimer. Merci de me soutenir. Merci de me supporter. Ah, je t'aime, papa. C'est l'adoration que je fais monter vers le trône de papa par le Saint-Esprit. Aucune adoration ne peut monter vers le ciel si elle n'est pas montée, si elle n'est pas envoyée. Makaya, mama, shara, mama, oh God, eh, Paco Santa. Nous t'honorons, cher Saint-Esprit. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a dit, vous me chercherez, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez. Et vous me trouverez, dit le Saint-Esprit ce soir. Vous me chercherez, et vous me trouverez, dit le Saint-Esprit ce soir. Vous me chercherez, vous me trouverez, dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ce soir. Ce n'est pas par la force, ni par vos diplômes, ni par vos titres ou vos fonctions. Mais c'est par le Saint-Esprit, c'est par moi. Dis le Saint-Esprit. C'est la communion. Tout commence par la reconnaissance. Il est une personne. Il est Dieu. Habitant en moi, il est le Saint-Esprit, il est le Dieu de gloire. Nous te reconnaissons comme étant la personne la plus importante sur terre. Esprit de Dieu.
Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Je dis l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Parmi nous, je dis l'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Dieu est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est merveilleux, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint et son puissant nom. Ce n'est pas prier. On peut prier sans communier avec le Saint-Esprit. Beaucoup prient le matin et ils prient le soir. Mais la communion, la communication, c'est toute la journée. C'est à 4 heures, à 5 heures, à 10 heures. Je parle au Saint-Esprit. Il a dit communiquer. Il n'a pas dit de prier le Saint-Esprit. Il parle au Saint-Esprit. Échange avec le Saint-Esprit. Honore le Saint-Esprit. Adore l'Esprit de Dieu. Adore le Saint-Esprit. Adore Jésus-Christ. Adore le Père. Cher Saint-Esprit, nous te rendons gloire. Nous t'honorons ce soir. Tu es la personne la plus importante sur la terre. Tu es le meilleur de tous les compagnons. Tu es l'ami dont nous avons besoin en tout temps. Tu es mon ami. Tu es mon père. Tu es mon trésor. Tu es mon époux, Jésus. Et tu es présent par ton esprit. Je te célèbre. Je te chéris. Je t'exalte. Et je t'aime, cher papa, cher trésor, cher Seigneur. Merci de nous enseigner ces choses. Merci de nous rappeler ces choses. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous te célébrons. Ici à Restoration Church, tu es la personne la plus importante. Ce n'est pas l'apôtre,
Ce n'est pas Maman Lydia qui sont les personnes les plus importantes. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus qui est la personne la plus importante. Tu es au Saint-Esprit dans l'Église versée au Rwanda, dans le monde. Tu es la personne, Seigneur, la plus importante. Nous te reconnaissons et nous t'honorons et nous te chérissons. Tu es notre tant aimé, notre paraclet, notre intercesseur, notre compagnon. Tu es tout ce que je désire. Tu es le don du Père. Tu es le cadeau le plus précieux dans ma vie. L'apôtre Paul a dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que toute la puissance soit attribuée à Dieu. Tu es mon frère. Reconnaissant. Esprit de Jésus, c'est par toi que nous adorons. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et Salomon, le roi, et tous les ministres, les conseillers, les hommes d'État, et tous les sacrificateurs se tinrent à l'extérieur, et tous se prosternèrent. Ils se prosternèrent parce que la gloire, parce que la gloire, parce que la gloire. Parce que la gloire remplissait le temple. Cher Saint-Esprit de Dieu, venu du ciel, remplis le temple, remplis les vases, remplis le temple, inonde le temple, inonde mon frère. À ceux qui ont soif, à ceux qui te reconnaissent, remplis le temple, remplis les vases. Les bases que nous sommes. L'Esprit de Dieu est là. Il se mouvoie, il renouvelle. Il remplit ce soir les vases. Il renouvelle son engagement. Il visite, il visite, il visite, manifeste de toi. Tu remplis, tu remplis, tu remplis ton peuple. Comme au jour de la Pentecôte, tu remplis les vases. Esprit de Dieu, viens maintenant remplir les vases que nous sommes. Il y a des personnes qui ont soif. Renouvelle, renouvelle, renouvelle. Renouvelle, renouvelle. La passion, la passion, la passion de Dieu. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Magnifique Saint-Esprit. Remplis le mal des temps. Oh Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui opères des miracles. For you are great, you do miracles. Spirit of the Lord, oh God, there is no one else like you. Nous te reconnaissons. Esprit de Dieu vivant, for you are.
consoler. Prends-nous conscient de toi. Prends-nous conscient de ta présence, de ta personne, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, cher Saint-Esprit, Jésus t'a attendu 30 ans et tu es venu. Les apôtres t'ont attendu dans la chambre haute et tu es venu. Et ce soir, Esprit de Jésus, Esprit de Papa, Esprit du Dieu vivant, we recognize you, we confess you. Nous avons besoin de toi. Nous te chérissons. Our Restoration Church, nous te chérissons. Au Rwanda, nous te chérissons. Notre Dieu, tu es Dieu. Notre papa, cher papa, cher papa, tu es présent parmi nous. Merci papa. Père, ce soir, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Tu nous as donné le plus meilleur, le plus beau, le plus privilégié, le plus excellent, le plus merveilleux, le plus admirable de tous les cadeaux. Père, tu nous as donné ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Et tu as dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas mon esprit. N'attristez pas mon esprit. Oh, n'attristez pas mon esprit. N'attristez pas mon esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ah. Nous te remercions pour l'honneur de la présence. Ta présence n'est pas un acquis. Nous ne prenons pas ta présence comme un acquis. Cher Papa, en nous, Esprit de Jésus, dans ce lieu, nous t'honorons, nous t'adorons, nous t'honorons, Jésus notre Seigneur, nous t'adorons, notre Papa, notre Père, nous t'honorons, notre Saint-Esprit de Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire.
la richesse, la sagesse, la force, la majesté, la souveraineté, la domination t'appartient à toi et à toi seul. Merci de ce qu'aujourd'hui, Père, alors que nous sommes assemblés en ton nom, tu as renouvelé, tu as restauré, tu as fortifié. La gloire de Dieu est dans le temple ce soir. La présence glorieuse de Dieu est dans le temple ce soir. Je suis le temple. Tu es le temple. Sois conscient que tu es le temple. Reconnais que tu es le temple. Tu es le temple. Sois conscient à partir de maintenant. Sois conscient. Marche dans la communion. Cultive la communion. Ne cultive pas seulement la prière, mais cultive l'intimité. La communion du Saint-Esprit. Il a dit : je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Et vous me chercherez. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cher Papa, ce soir, c'est dans le nom de Jésus-Christ, c'est par le Saint-Esprit, Père, que nous avons pu nous tenir devant toi ce soir. Jamais à nous la gloire, Père, mais à Jésus seul soit la gloire, Père. À celui que tu as établi, Seigneur et Christ, celui que le Saint-Esprit est venu élever, glorifier, témoigner, c'est Jésus. Nous te remercions. Non pas à nous la gloire, jamais, Père, mais à Jésus la gloire, l'honneur et la louange. Quelqu'un dit amen. Amen. Acclamons très fort pour